Ma recette du houmous, c'est dans cette vidéo. Hey, salut, c'est Jessica, votre coach du fitness. Aujourd'hui, je vous présente ma version du houmous. Alors, ça n'est pas la version originale, traditionnelle ou d'un pays en particulier. C'est la version santé que moi, je vous propose. Alors, je vais vous expliquer brièvement pourquoi est-ce que je mange du houmous. Simplement, c'est très, très bon pour la santé. À commencer avec les pois chiches qui sont d'excellentes légumineuses. Je les choisis toujours bio. Je les fais tremper toute une nuit et ensuite, je les cuis. Donc là, ils sont tout prêts. Je choisis de la purée de sésame, hein, du thym. Voilà, pareil, je l'ai choisi bio. L'huile d'olive, évidemment, bio aussi. J'utilise du lait d'avoine, un demi-verre, du citron bio, un peu de paprika, du sel. Oui, le paprika, je sais que c'est pas très conventionnel dans le houmous, mais bon, comme je vous ai dit, c'est ma petite recette. Enfin, voilà, une gousse d'ail, pareil, une gousse d'ail fraîche où j'ai retiré le cœur de la gousse d'ail, enfin le germe, et je vais ensuite le hacher. Je mettrai tout ça dans un blender et je vais mixer, donc c'est super simple. Pour les proportions, je vous l'ai pas dit, donc c'est 250 g de pois chiches cuits, 40 g de thym, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, le citron, je vais en utiliser qu'un quart, donc un demi-verre de lait d'avoine et une pincée pour chaque, une petite gousse, enfin j'ai pris un peu grosse quand même. Voilà, donc ça va faire un houmous santé. Je vais tout mixer simplement, ça va faire quelque chose de fluide grâce au blender et puis ensuite voilà, c'est parti. Et pour être en bonne santé, téléchargez les 10 conseils pour être au top physiquement. Je vous les mets en lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, vous allez recevoir ces 10 conseils gratuitement chez vous. C'est pour que vous soyez en bonne santé. Je verse tout bêtement et simplement. Oui, je dis bêtement et simplement parce que j'ai besoin que les recettes soient simples, comprenez? J'ai besoin que ce soit facile et rapide. Je me mets à votre place à la maison, je sais bien que vous n'avez pas toujours le temps, pas toujours envie, mais pourtant vous avez besoin de faire plaisir à toute votre petite famille. Et puis à vos papilles aussi. Donc voilà, c'est mixé. Que d'excellents ingrédients dans le houmous. Donc, comme je vous l'ai dit, les pois chiches, ce sont des légumineuses, c'est top. L'huile d'olive, il n'y en a pas trop non plus. Hein. Oméga 6, oméga 9, assez intéressant. Ok pour l'huile d'olive. On a de la purée de sésame, excellente source de lipides. Et voilà le petit houmous prêt en 5 minutes. L'idéal, c'est de manger ça avec des légumes. Hein. Ne mangez pas ça avec du pain ou un truc encore trop riche en blé ou en gluten. Mangez ça avec des légumes. Vous trempez hop, un petit bout de concombre, un petit bout de carotte. Ça, c'est le top. Vous pouvez aussi en prendre une petite cuillère et en mettre sur le côté de votre salade. Moi, j'adore prendre ça avec des petites pousses d'épinards à la petite salade de crudité. Voilà, le houmous à agrémenter dans vos plats. Ça cale bien, c'est une excellente source de graisse, ce sont de bonnes graisses. Allez-y pour le houmous, yallah, c'est parti. Téléchargez les 10 conseils pour être au top physiquement, pour être en bonne santé, comme je vous l'ai dit. Merci de m'avoir suivi pour cette recette. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez suivi, comment vous l'avez trouvé. Goûtez ça. Allez, je vous fais plein de bisous. Salut, salut.